Et bien salut les amis, c'est Brian Crafter et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft et pour faire un tuto. Donc j'ai dû essayer plusieurs fois parce que je me suis trompé. Une fois j'ai mal écrit speed, oui, parce que moi j'ai envie de mettre sans les particules de speed. Si vous voulez vous mettre invisibility ou quelque chose comme ça. Et une fois c'est parce que j'oublie le arrobase s, enfin le arrobase. Donc là espérons que ça va fonctionner. Vous voyez, regardez. Voilà. Donc alors slash effect, vous mettez le arrobase, hop, le arrobase que vous voulez, ou alors si vous voulez mettre dans sur un player, sur le joueur que vous voulez, vous pouvez mettre leur pseudo, mais si vous voulez mettre sur vous même c'est arrobase s, ou alors tout simplement votre pseudo. Voilà, ensuite espace, vous allez mettre l'effet que vous voulez mettre, ensuite vous allez mettre apparemment du moins je mets speed, vous allez mettre le temps que vous voulez que ça dure, un nombre à 5 chiffres c'est très correct. Ensuite vous pouvez mettre vous voulez comment, bah puissance, tu vois, par exemple si je mets 1 bah je vais aller vite mais bof, tu vois, si je mets 250 bah je vais aller méga vite et je crois que c'est le max, 255 je sais plus. Ensuite vous allez mettre true, voilà. Après, je crois pas que ça sert le 250 sur l'invisible. Il était. Hop. Voilà. Là, vous voyez déjà, ça fait méga bizarre. Vous voyez, je vais méga vite. Et est-ce que j'ai les particules? Eh ben non. Voilà. J'ai pas de particules. Alors qu'on est d'accord, j'ai bien un effet de potion. Wow! Et voilà, du coup, bah, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si n'hésitez pas à vous abonner. Tellement je suis rapide, je deviens invisible, ok. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore aidé. C'était Brian le Crafter. Bye.